Coucou, allez, je vous reviens. On est dimanche aujourd'hui. Mon mari est parti aux champignons. Il est parti ramasser des morilles. S'il y en a, on verra. Ma petite nièce en a ramassé avant-hier. Et du coup, j'espère qu'il va revenir avec des morilles parce que j'adore ça. C'est vraiment très très bon. Ouais, et du coup, je suis toute seule à la maison. Je vais faire un petit peu de repassage parce que j'ai pas mal de repassage à faire. Enfin, pas beaucoup, genre. Ça va, j'ai pas trop. Un peu de ménage, voilà, un petit peu de montage vidéo. Je suis tranquille. J'ai repassé les vêtements, donc je vais vous montrer ce que ça donne pour les vêtements de Shein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais tous les liens seront en barre d'infos, hein. Avec un code promo, tout sera en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. On va attaquer tout de suite avec donc cette petite chemise qui est un peu transparente, donc je vous conseille de mettre dessous ou une petite robe en soie, vous voyez, c'est ce que je vais faire, ou nude, ou des sous-vêtements couleur chair. Voilà, donc écoutez, je me change et je vous montre ce que ça donne. Voilà, là je mets une petite nuisette en soie. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors là, au niveau de la matière, c'est une matière très synthétique. Et en été, à mon avis, je pense que c'est quelque chose où on va vraiment transpirer. Mais au printemps, quand il y a des journées pas trop chaudes, ça peut le faire. J'ai trouvé le modèle très joli avec, voyez, avec des manches chauve-souris comme ça, là. J'aime bien ce style. Et il n'y a pas de poche. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il faut accessoiriser, vous voyez, avec un petit collier, des boucles d'oreilles, se maquiller. Là, je ne suis pas maquillée parce que je vais faire mon ménage. Donc, mais sinon, bah, écoutez, c'est sympa. J'aime bien. Même avec, je sais pas, oh, même non, sans pantalon, ouais, il faut juste peut-être des petits talons aiguilles. C'est très. Non, c'est, j'aime bien. Bien. Pour l'été, je trouve que ça peut être cool. Quand il fait pas trop chaud, c'est ça. Ensuite, j'ai choisi cet ensemble qui est agréable à porter. C'est un pantalon de jogging, vous voyez. Ah, c'est vraiment pour la détente. Ouais, ça se présente comme ça. Je trouvais joli sur le site. La personne qui le portait très bien. Hop, attendez, je vais essayer de pas froisser les vêtements parce que je les ai repassés. Hop. Alors ça, moi, j'adore, je sais pas vous, mais c'est vraiment la tenue, je veux dire, même pour sortir, c'est une petite tenue très hyper hyper confort, mais qui est quand même jolie. Vous voyez, c'est quand même joli, c'est chaud. Le pantalon est très large, moi j'adore les pantalons larges comme ça, là, vous voyez. Et je le trouve très sympa. Je me demande s'il n'y avait pas plusieurs couleurs. Je crois pas. Je sais pas. Je sais pas s'il n'y a pas plusieurs couleurs, mais vraiment, ça, c'est un produit que j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien cette tenue. Je me demande même si je ne vais pas reprendre d'autres parce que je la trouve très, très confortable. Et j'aime bien en fait que ce soit serré à la taille. Vous voyez, ici, il y a une petite une couture là, qui est plissé, donc ça fait un effet un petit peu drapé, un petit peu sur le côté. Donc, et puis il y a des poches, j'aime bien. Vraiment, ça j'adore. Vraiment très très bien. Ensuite, j'avais choisi ce pantalon. C'est un pantalon qui, je pense qu'il sera peut-être un petit peu transparent, mais c'était pour emmener à la plage ou. Même avec un shorty, vous mettez ça avec un shorty, ouais, je pense. Je vais essayer d'ailleurs. Je vais porter un shorty, on va voir ce que ça donne. Il fait super froid dans la maison. Avant-hier, il faisait une chaleur pas possible. Et puis là, aujourd'hui, ça caille. Même hier, déjà, ça caillait. Et on a été à Vichy pour que je puisse changer mes lunettes. Du coup, j'ai recommandé. Je vous ai expliqué que j'avais fait un malaise et du coup j'ai cassé mes lunettes, mais elle m'a recommandé que la face avant, vous voyez, donc elle va pouvoir me les réparer en fait. Donc j'ai pas eu besoin d'acheter d'autres lunettes, surtout que en fait, les verres qu'il y a sur cette monture, c'est des verres qui coûtent cher, donc je voulais pas les jeter.
Et on a essayé de voir avec toutes les lunettes de mon mari, mais il aurait fallu tailler un peu plus le verre et j'aime pas les lunettes trop petites. Donc on a dit, bah, on va reprendre les mêmes et puis voilà quoi. J'ai choisi d'autres montures parce que mon mari vend des montures. Le verre, il n'allait pas dessus. Donc que j'ai quand même gardé les lunettes. Hein. Surtout, je les aimais bien. Alors, donc là, il y a des poches. J'aime beaucoup. Très, très, très sympa. Vous voyez, là, j'ai mis un petit shorty. Alors après, à la lumière, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais avec un shorty, je veux dire, même si c'est un peu transparent, je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien, c'est un peu large. Et puis, c'est ouvert sur les côtés, vous voyez. C'est trop joli. J'aime bien. Mais avec un petit shorty, ça passe, hein, vraiment. Même si c'est transparent, ça ne gêne pas. Hein. Voilà, trop sympa. J'aime beaucoup. Vous avez une fermeture éclair là sur le côté là. Et non, bah, c'est bien, impeccable. Ça change. Même avec ce petit haut là, c'est sympa. Voilà, j'aime bien. Je le mettrai même en dehors des vacances. Ce pantalon, voilà, je mettrai un shorty dessous. Et je le mettrai parce que je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis, ah oui, bah, tiens, je vais essayer ça aussi. C'était la petite chemise avec. On dirait qu'il y a un pull dessus, mais non, c'est tout accroché. Je vais essayer ça. On va voir ce que ça donne. À tout de suite. C'est vrai que j'ai toujours peur avec ce genre de haut parce que, comme il y a du noir et du blanc, quand on le lave, j'ai peur qu'en fait ça déteigne sur le blanc. Mais j'ai déjà pris plusieurs articles comme ça, là, dans ce style. J'ai pris un body d'ailleurs blanc et noir. Et je mets toujours une petite lingette dans ma machine pour éviter que les couleurs ne se transfèrent. Et j'ai pas eu de soucis, hein. Donc tout va bien. Mais là, voilà, ça se présente comme ça. Même avec un petit jean, je trouve que c'est cool. Vraiment, avec le pantalon aussi, c'est sympa. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup avec un petit jean. Ou moi, je vois ça aussi avec un pantalon à passe très large, noir. Ouais, comme ça, à peu près. Hein. Très sympa. J'aime beaucoup. Il est au niveau de la taille, c'est parfait. Je crois que j'ai pris la taille M. Il me semble avoir pris la taille M parce que je voulais être sûre que ce soit un petit peu loose quand même et pas trop près du corps. Et j'aime bien. Franchement, trop cool. Ça, j'aime bien. Ça fait un moment que j'en voulais. Hein, comme ça, là, j'aime bien. Je trouve ça joli, le col avec le petit haut dessus. Très sympa. Et je voulais vous montrer aussi le petit gilet là, qui est très joli. Celui-là, je l'adore et j'ai envie de le recommander parce que je crois qu'il existe en noir aussi. Je pense que je vais prendre les deux couleurs parce que en été, vous voyez, quand il fait un peu frais ou au printemps, tout de suite, bah, il y a quand même des journées où il fait trop chaud pour porter un manteau. Et j'aime bien ce genre de gilet parce que ce cardigan, parce que vous avez la ficelle qui est là, parce que voilà, ça réchauffe aussi, mais c'est pas non plus trop chaud et c'est court. J'aime bien, je le trouve trop joli. Ouais, très sympa. Quand il fait un peu frais là, mi-saison, je trouve que c'est très très bien. Et même pour le soir, si vous sortez, vous avez un peu froid, hop, c'est parfait. Il est très sympa. Mais j'aime bien, je me demande si c'est pas la marque Daisy, je me souviens plus, je ne sais pas. C'est la marque Daisy et j'aime bien dans cette marque parce que c'est vraiment des produits à petit prix, mais ils ont des petites tenues très confortables pour la maison ou pour sortir, des tenues détentes et pas chères. Et je trouve cette marque vraiment très, très cool, très sympa. Ensuite, alors j'ai un petit chemise comme ça, c'est du gaz de coton. C'est pareil, c'est pour, vous pouvez le porter à la plage, hein, comme vous voulez, ou vous pouvez le porter avec un pantalon, il n'y a aucun problème, c'est comme vous voulez. Donc je me change et je reviens tout de suite. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le petit ma petite nuisette en soie. Voilà, vous portez ça avec
un maillot de bain ou un pantalon, ce que vous voulez. Je trouve ça très très cool. Même avec le petit truc ouvert comme ça, là, avec un pantalon, ça passe, moi, ça me dérange pas. C'est une matière où on est très bien quand on ne transpire pas trop dedans. Et puis vous avez des petits boutons en bois, je trouve ça très joli. Ouais, ça c'est très 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 cool. J'aime bien. Voilà pour tout ça. Alors pour la petite imprimante qui est juste là, la petite imprimante comme ça là. J'ai essayé. Écoutez, ça marche très très bien. Voilà, on peut s'en servir pour faire. Si vous avez des besoin d'imprimer pour faire des courses ou pour noter quelque chose, je trouve que ça peut être pratique. Après, c'est pas encore une fois. Ce que j'ai recherché, je voulais avoir ce genre de machine, mais pour pouvoir faire des étiquettes autocollantes pour coller sur les pots, vous voyez. Et c'est pour ça que je l'avais choisi. Et j'avais choisi un autre qui est. J'en avais pris un deuxième. Voilà celui-là. Et vous avez dedans des petites feuilles pour photographier, mais c'est sympa, ça fait des petites photos mignonnes, mais ça fait vraiment des toutes petites photos, vous voyez. Moi, je pensais aussi que ça pourrait, enfin, que je pourrais faire. Mon fils, il en a une machine comme ça, mais ça fait des photos plus grandes que l'on peut mettre dans des cadres. Alors que là, c'est vraiment tout, tout petit, voilà, vraiment minuscule. Donc, je trouve ça aussi un petit peu dommage. Donc, je ne sais pas trop. Je sais pas si en changeant le papier, on peut mettre des étiquettes autocollantes transparentes, vous voyez. Je sais pas, il faut que je voie. Je vais demander à ma fille de regarder, parce qu'elle elle est douée. Mais sinon, c'est bien, mais c'est dommage que les photos soient si petites, en fait. C'est vraiment tout petit, quoi. Et, après, certaines personnes peuvent apprécier pour faire des petits collages, pour créer des petits albums photos avec des mini-photos dedans. Ça peut être sympa aussi. Hein. Pour faire des petits DIY, ça peut être cool aussi. Hein. Mais moi, c'est pas comme ça que c'est pas ce que je voulais, en fait. Bon, sinon, cette machine-là, elle est livrée... celle-là, elle est livrée avec plein de rouleaux. Donc, à choisir entre les deux, je préfère vraiment celle-là parce que on peut noter plein de choses pour faire les courses. Vous emmenez votre petit papier avec vous et vous allez faire vos courses et vous notez tout. Donc ça peut être sympa. Mais quand même, je préfère mille fois l'imprimante thermique que j'ai reçue, qui est super. Voilà, ça c'est. Je pense que c'est ça. Mais je voulais compléter avec une petite imprimante autocollante. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Voilà pour ma petite vidéo. Ensuite, alors excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer cette robe. Je l'avais vue sur la chaîne d'Aurélie et je l'ai trouvée magnifique. Alors c'est vrai que quand elle a été un peu surprise par la matière, parce que c'est vrai que quand on la reçoit, elle ne paye pas de mine. C'est vraiment un tissu hyper fin, microfibre très très fin. Mais j'avoue que même moi, je suis surprise parce que elle vous fait une silhouette hyper sympa. C'est un effet sirène, vous voyez. Elle est très jolie. Bon, là j'ai mon petit un shorty dessous, donc peut-être que ça ne va pas trop avec. Vous voyez, je la trouve. Je pense que je vais l'emmener au mois de mai, là je vais l'emmener chez ma soeur Fréjus. Parce que je la trouve très très jolie. J'aime bien, j'aime beaucoup. Trop bien. Et elle est hyper confortable, on est trop bien dedans. Voilà, j'avais oublié de vous la montrer, donc je vous la montre tout de suite. Allez, cette fois-ci, vraiment, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vais m'habiller. Alors, écoutez, je viens de recevoir ma petite commande Shein. Et j'ai aussi... comme je vous l'ai dit, j'ai commandé des feuilles pour mettre dans... Je les ai commandées sur Amazon.
pour mettre dans mon imprimante thermique. Il y en a 200 dedans et c'était pas très cher, donc c'est cool, je suis très contente. Je vais pouvoir organiser mon imprimante, organiser mes fichiers correctement. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je vous l'ai dit, je voulais recommander un nouveau sac pour Lydie pour partir le mois prochain, au mois de mai. On part sur la côte, on va voir mes sœurs. Et je voulais prendre un sac pour Lydie plus petit parce que l'autre était trop grand. Donc j'espère que celui-là il va aller parce que j'ai bien fait attention au niveau des centimètres. C'est bien enveloppé. Hein. Donc voilà, le colis se présente comme ça. Alors je vous montre ce que j'ai commandé. Je voulais une pochette pour ranger mes papiers. Elle est trop belle, elle se présente comme ça, trop jolie. Et je voudrais mettre dedans, je vais acheter des, mais je dois en avoir, des feuilles, je ne sais pas s'il y en a déjà. Ah si, oh c'est super, c'est ce que je voulais en fait. C'est un agenda, vous voyez, c'est un bel agenda comme ça, il est trop joli, très très beau. Un bel agenda parce que j'en avais besoin. Alors c'est pas marqué en français mais c'est pas grave, je comprendrai quand même. Et vous pouvez noter plein de choses, hein. Vous pouvez noter plein de choses. Et il est trop trop beau, j'aime beaucoup, il est très classe. Et puis vous pouvez mettre des cartes, vous pouvez mettre plein de choses dedans, trop joli. Voilà, comme ça je pourrais faire mettre plein de notes, il est magnifique, il est très 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 joli, j'adore, trop joli. Voilà, donc ça c'est très... En fait, j'ai passé la commande, c'était la semaine dernière, c'était il y a une semaine. On reçoit les articles très rapidement et c'était au milieu de la nuit, donc je ne me souviens plus vraiment exactement ce que j'ai commandé parce que des fois la nuit, je ne dors pas et du coup, je tricote et puis je réfléchis et je me dis, ah bah tiens, je vais regarder s'il n'y en a pas sur Chine et hop, et je commande pendant la nuit. Voilà, donc ensuite, j'ai trouvé ce petit panier en mini. Pour mettre dans ma cuisine, j'en ai pris deux. C'est pour mettre les oignons, pour accrocher au mur. Je vais y accrocher au mur, vous voyez. Et je vais mettre les oignons, l'ail, vous voyez, dedans. Voilà, je vais le mettre comme ça, là. Et c'est trop mignon, j'ai trouvé ça très joli. Ça va bien avec le style de la maison, un peu style campagnard et tout, j'adore. Donc, c'est vraiment sympa. C'est plutôt du plastique, hein. Mais ça fait bien le job. Au moins, comme ça, après, je peux nettoyer. Voilà. Donc, c'est trop, trop, trop joli. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. Et vous avez un code promo aussi. Si vous voulez utiliser mes codes promo, n'hésitez pas. J'ai choisi. Alors, ça, c'est pour Kakou. Parce que Kakou, il mange ses croquettes en 30 secondes. Il n'a même pas le temps. En fait, je crois qu'il mange, il mâche même pas les croquettes. Hein. Et ça passe directement dans l'estomac. Et du coup, je lui ai pris une gamelle anti-glouton qui se présente comme ça. Et comme ça, il va passer plus de temps à chercher. Et comme ça, ça va permettre de savourer un petit peu ses croquettes. Donc, elle est très jolie. Elle se présente comme ça. Elle n'était pas chère. Et je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc, je lui ai pris cette petite couleur. J'ai repris aussi... Et je vais en recevoir un autre aussi parce que j'ai fait une nouvelle collaboration. J'en ai demandé un autre parce que je trouve ça trop beau. Je trouve ça très sobre. On peut le mettre dans la salle de bain, on peut le mettre dans la cuisine, on peut en faire ce qu'on veut en fait. Poser des petites bougies dessus. Mais j'aime beaucoup la couleur du bois. Je trouve ça trop joli. Je vous en ai déjà montré un, mais voilà, je vais en avoir un autre, un troisième. Mais je trouve ça vraiment trop, trop beau. C'est tout simple, tout con, mais tout beau. Et j'aime bien. Le petit sac, il est juste là. Oh là là, j'espère que ça va. Il est trop joli. Il est rose comme ça, là. Il est trop mini. Il est trop, trop, trop joli. C'est vraiment... Bon, après, trouver un sac aussi petit que mini, ça va pas être facile. Mais, alors, celui-là, il est trop joli. Et ici, vous avez des petites aérations, là, pour qu'elle puisse respirer. Parce que vous avez des petites... C'est vraiment, la qualité, elle est vraiment bien. Très très bien. Donc ça s'ouvre ça s'ouvre sur les côtés comme ça. Vous voyez, vous avez les aérations ici. Vous ouvrez comme ça et c'est rose, regardez, rose bonbon. C'est trop joli, c'est trop mignon. Voilà. Et là, vous avez une petite attache pour attacher Lydie.
voyez, vous avez une petite bandoulière pour attacher Lily pour pas qu'elle tombe. Il ne faut pas qu'on vous la vole parce que il y a des gens qui volent les chiens, malheureusement. Ça existe, apparemment. Et alors là, Bibi, viens là, ma Bibi. Et voilà, donc là, voilà le petit gabarit. Voilà le petit sac. Et là, hop, on va la mettre comme ça. C'est pour toi, mon amour. Alors là, c'est parfait, vous voyez, au niveau de la taille, c'est parfait. Parce que, et elle peut sortir sa petite tête. Alors que l'autre, là, c'est bien rigide. Et l'autre, il arrivait là. Donc, il fallait qu'elle se mette sur ses pattes arrière pour pouvoir être dehors. Alors que là, vous voyez, elle est vraiment, elle est pile poil. Et il est trop mignon, il est rose comme ça, là, c'est trop, trop mignon. Ah, ma Bibi, on n'est pas bien là? Hein? C'est pas bien là? Oh là, bah oui! Eh ben oui! C'est trop top, hein? Ça y est, on a trouvé ton petit sac. Mmh, oh, c'est trop mignon. Je suis trop, trop, trop contente. Mmh. T'es trop canon avec ce petit sac. Bon, celui-là, c'est bon, il est validé, il est à la bonne taille. Super, très contente. Voilà. Et vous avez aussi des petites poches. Hein. Vous avez une poche là, vous avez une poche ici. Donc, vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Nickel. Terminé. Ben, je n'ai pas commandé grand-chose. Hein. J'ai commandé ça aussi. Pour laver les chiens. J'ai trouvé ça trop mignon aussi. En silicone. Vous mettez le produit à l'intérieur. Vous avez le petit shampoing là. Et... je regarde souvent sur Instagram, y a une dame qui lave son petit chihuahua dans un bac en plastique. Mais le chien, elle met des petits canards dedans, elle met plein de mousse. Le chien, mais il est aux anges. Il est vraiment comme s'il était dans un spa. Il pouvait trop délirer. Et puis, elle avait des petites brosses comme ça, là, et elle frottait son petit chien avec. Mais le chien, il était tout heureux. Donc, voilà, j'avais envie d'essayer de nettoyer Lily avec ça. Trop mignon. Voilà. Et hop, ah, par contre, je ne vais pas mettre la niche. Et pour terminer. Ah oui, j'ai commandé ça. Je trouve que c'est hyper astucieux. Parce que souvent, moi, j'ai plein de porte-savons. Mais ils sont plats et en fait toute l'eau du savon stagne et du coup c'est le savon ramolli, c'est pas très beau, c'est pas très propre. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça se pose à côté du lavabo et votre savon, vous voyez, toute l'eau va couler en fait dans l'évier. Parce que même si vous posez sur le bord de votre évier, il y a toujours de l'eau et puis le savon qui stagne. Et c'est pas génial, c'est pas beau et puis le savon s'abîme. Alors que là, comme c'est pointu, comme ça en pente, et l'eau peut s'évacuer et le savon il peut sécher plus facilement et pas s'abîmer. C'est en céramique, je trouve ça trop joli. Moi, j'aime bien avoir du savon à la maison pour me laver les mains ou pour nettoyer mes pinceaux. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà, donc j'ai pris ça aussi, c'est très bien. Et je pense que j'en reprendrai d'autres parce qu'il est très joli. Et dernier article, encore un article utile, c'est pour le fromage. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Je l'avais vu passer aussi sur Instagram aussi, il me semble avoir vu ça sur Instagram et il y a des vendeurs Amazon qui le vendent. Mais j'ai dit, je vais regarder s'il n'y en a pas sur Shein et il y en avait. Exactement le même en plus. C'est un couteau. Alors, je vous montre. C'est un couteau pour le beurre. Vous savez, quand vous mettez votre beurre dans le frigo et le beurre, il est trop dur. Avec le couteau, on a du mal à enlever ou sinon on enlève des morceaux. Alors que là, ça va râper le couteau, le beurre, vous voyez. Ça va prendre que des petits morceaux de beurre. Ça va le râper en fait, comme du fromage. Et c'est plus pratique pour étaler sur la petite tartine. Voilà. J'ai trouvé ça très, très, très génial. Voilà. Et il est solide, là, il est super. Voilà, je suis très contente de ces petites choses que je trouve vraiment très utiles, très ingénieuses. Allez, et ben c'est super. Voilà pour ma vidéo chimie. Écoutez, j'ai reçu plein de jolies choses, je suis très contente. Et là, j'ai passé une commande parce que je vais partir chez ma sœur. Et en général, on se fait toujours une journée à la plage où on pique-nique. Même si je ne me fais pas bronzer,
on se met sous les parasols, là. Mais bon, après, je suis quand même en maillot de bain. Et je voulais m'acheter des petits maillots de bain sympas. Et j'ai passé une commande et je devrais la recevoir la semaine prochaine. Je vous montrerai ça quand je la recevrai. Et ma fille, c'est pareil, elle s'est choisie deux, trois petites choses. Donc, je vous montrerai ça quand je recevrai les produits. Voilà. Allez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao. À bientôt.